Il y a Madame Chang là. Officier Chang, pardon. Merci, merci, c'est cool. Elle est énervée, fais gaffe. Oui, Non, bonjour, vas-y, fais ici gaffe, s'il te Alad plaît. PD, Non, vas-y, en quoi merde. pouvez-vous aider, t'es au plat? Bonjour, madame. Je savais pas que vous étiez le police. Vous m'aviez dit que vous alliez porter plainte, madame, l'autre jour. Ah oui, ah, vous êtes le président, là, mote en tête, mote Tiens, en tête. exactement, comme un mouton. Mais je savais pas, madame. Ah, y a pas de tout, vous Ah, vous t'avez ma m'aviez pas de. dit. Y a pas de même. C'est le cachotterie. Ah mais qu'est-ce qu'une femme tentée te crée, hein? Bah, oui, c'est vrai. Vous avez raison. Oh, bonjour, mote gros tétir. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez la forme, la pêche, le malin, la bonne humeur, la joie de vivre. Comment Ah allez-vous, bah Madame là, de Chang? me tendre comme un poisson dans l'arbre aujourd'hui, hein. Et j'espère que vous êtes là. En quoi peut-vous aider, honnête citoyen que vous êtes? J'avais une idée. Parce que voilà, pour les anciens, faire une flash mob. Moi, je ne vais pas vous dire quelle musique et quelle danse et tout ça, mais j'ai déjà appris la danse à une dizaine de nouveaux arrivants. Et faire une petite flash mob, et je voulais savoir si c'était possible, si ça pouvait C'est quoi que s'organiser vous dites là? Une en même flatte temps que quoi? l'événement de monsieur. Un flash, je crois que ça s'appelle comme ça, un flash mob. Vous savez, par exemple, je danse, par exemple, boum, je me mets comme ça, je fais ça, il y a tout le monde qui fait pareil, c'est pour Ah les nouveaux, on passe ouais! tout ça, Ah c'est un ouais, de cadeau voir, pour ouais. les anciens. Bah écoutez, je n'y vois aucun inconvénient, hein. Vous avez l'autorisation du LFPD. Hein. Pardonnez-moi. Si Ah, le c'est président et le super! gouvernement est d'accord, attendez, en fait, vous allez voir le gouvernement, vous leur demandez D'accord. l'autorisation, et ensuite, c'est le gouvernement qui va nous demander à nous de sécuriser l'événement. D'accord, c'est Monsieur Gland qu'il fallait voir au gouvernement, Oui, t'es c'est ça? motoglande. Bah, c'est-à-dire que je vous avais montré, enfin, je vous avais expliqué là mon cas qu'on m'a volé ma glandelle. C'était à vous là, que je l'avais expliqué, je me souviens plus là. Vous avez porté plainte un autre fêté comme moi après la plainte et moi vous me l'avez raconté de plus tôt. Ouais. Ok, d'accord, et Une toujours pas voiture de Dawn, nouvelles? tu crois bien, Dawn. Rouge et jaune, bien sûr, oui, c'est Oui, ça. voilà, c'est Avec des ça. bagages. Avec les bagages, oui, de mon tout vin, ouais. Mais est-ce que vous avez une bonne nouvelle? Bah écoutez, moi, ce n'est pas moi qui dère cette enquête, hein, malheureusement. Les vols de voitures, t'es plus, vous t'avez les cadets. Hein. C'est de la merde. Ok, Les d'accord. meilleurs solides de Brésil Ok. de maman. Ah, ne vous Dommage. inquiétez pas. Hein. Quand le tas montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Hein. Pas de nem. Abaca? Oui? Abaca? Regarde la machine à café. Oui? Ouais, vous aviez raison. À quel tout est? Ah oui, vous avez vu, il regarde. Hein. Ah Le ouais. doigt. Ah, mais bientôt, bientôt. Il regarde le doigt, gros dédé. Hein. Attendez, je comprends pas là. Ah bah oui, hein, t'es normal, hein. Attendez. Vous avez raison. Ah, Ah vous oui, avez t'avais raison, moi c'est raison. tout ce que j'avais. Ah, vous aimez bien me te tenter, là. Ah ouais, là, vous voyez une petite Moi compétitivité qui aussi vient de j'aime bien. naître, là. Ah ouais. Oh, attendez, Moi. là, attendez, on parle tout le monde d'eau comme ça. Ah, par contre, madame, je suis désolé, c'est dommage. Hein. Franchement, ma vaca, ça me blesse de pas pouvoir lui montrer le chorégraphique qu'on avait préparé. Mais si on Parce peut que lui j'aime bien vos dames. montrer, pourquoi tu veux pas lui montrer? Bah, si elle est d'accord et si elle veut, on peut lui montrer directement le chorégraphie. Ah ouais, tu veux bien, ouais. Elle était en face de Bah, moi, là, et de attendez, l'épate. je vais chercher l'USB. J'appuie sur Appuie sur play, le j'appuie bouton. sur play, t'es prêt? Vas-y. On va commencer. Vas-y, mais avocat, viens Oh non, avec les droits moi. d'auteur, je suis baisé! Vas-y, moi je fais le beatbox, toi tu fais les paroles, d'accord? Vas-y. Attention, c'est parti. Je mets le doigt derrière, je mets le doigt devant, je fais le tour de moi-même, je fais le boogie boogie, je fais le tour de moi-même et je mets le doigt derrière. Du coup, me te gros dédire de tenir à vous Ouais. féliciter pour cette magnifique tonton. Bah écoutez, pas de soucis, c'est normal, hein. Vous savez, je suis Vous vous agent adaptez, d'assaut, hein, vous comme êtes ça, très ma fort, hein, voix. t'aimes beaucoup. Ah bah, je suis triste. Pourquoi t'es triste, Armando? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas pu De mettre la musique? Moi, je suis blasé avec la te musique, c'était désoler, mieux. ouais. T'es pas que C'est vous pas dites grave, que votre Armando. art ne sera pas aussi bien que vous pensez qu'il serait. De te désoler. Allez, c'est pas grave. Tu te relèves, t'es Armando un homme, aussi. t'es un bonhomme. T'es un bonhomme, je suis un bonhomme, mon baka, je suis un bonhomme, je suis un bonhomme, T'es je suis un un bonhomme. bonhomme, t'es un bonhomme. Vas-y, crie-le, je suis un bonhomme, crie-le. Je suis un bonhomme. Je suis un bonhomme. T'es Mais toutes qualités quoi? sont déjà en moi. Je suis un Mais bonhomme. gros, t'es quoi? Bon bonhomme! Vas-y, ressaisis-toi, t'es quoi?
Oh mon nom. T'es plus drôle. Bonjour. Vous allez bien, vous êtes vous êtes mon élève. Oui, on peut dire ça. Ok. Vous avez réussi la formation? Non, je l'ai pas repassé depuis. Ok. Bah demandez à mon collègue là, t'es disponible. Oui, avant faudrait que j'arrive à résoudre un petit problème. Je crois que j'ai mon gilet qui s'est coincé dans la chaise. De vous conseille de tendre la main. Si vous pouvez. Sinon, de vous conseille. Ah, même ça, c'est. Alors, de vous conseille, regardez. Mon gilet, il est bien coincé. Vous faites ta, et après vous faites ta. J'essaye ça de tout de suite. Non, il faut te réveiller. Ah, non, je crois que mon gilet, il est bien coincé, mon gilet. Je crois. Mais réveillez-vous. En fait, il faut. Voilà, et ensuite, peut-être tout est. Ensuite, ok, nickel, voilà. Oula, non, pas nickel. D'un touti. Alan. Alors, sinon, ne le prenez pas personnellement, mais peut-être que ça peut vous aider. Voilà. Ah, ouais. On aura tout étayé. Ah, mon gilet est vraiment lourd, j'arrive pas du tout à me relever. Attendez, petite technique encore. Ça ne fonctionne toujours pas. Ah, pas du tout. Attends, j'ai mon gilet qui est coincé à votre jambe. Qu'est-ce que vous avez de la force dans vos jambes? Oh là là. Regardez ta là, comme on te traîne à la barbine. Tant de peine. Ah, que vous êtes fort. Ah, j'ai toutes les émotions en même temps, y a rien à faire. Hein. Et là? Oh, mais t'es un calvaire. Ah, ouais, là. Ouais, bon, bah, je vais voir le. Je vais appeler le docteur Lobby. Ok, bon courage. Je pense qu'il va pouvoir vite me régler ça. Voiture donnée noire, tour plate. Oh, une petite ligne, une contrainte. Oh, négatif. Bon, les mains en l'air là. Tu fermes ta gueule, tout mets les mains en l'air. Tout mets les mains en l'air. Ouais, vous avez pas l'air d'être dans un bon état là. Si il est fier, c'est pas bien. T'attends tes mains. Clac. À qui est l'honneur, s'il vous plaît, moteur? Bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez m'appeler Alex. Vous êtes marié, madame? Parce que moi, ma femme, c'est une salope. Dites-moi, moteur, qu'est-ce qui t'est pâté là dans la tourbérette, s'il vous plaît? Oh, mais j'ai regardé de travers. Et j'ai dit, de toute façon, vous êtes toutes des salopes. Et il se peut que j'ai sorti mon arme et j'ai la mal pris. Et ça a pris des proportions qui ne sont pas été maîtrisées. Mais dis-toi, ma moto, ce n'est pas une façon de faire avec les femmes. Hein. Tu ne m'étonnes pas que votre femme vous déquête. Hein. Mais madame. Comment vous appelez-vous la moto flat? Alex Dilmour. Ok, très bien, moto Dilmour. Vous croyez que je me suis mis dans cet état pourquoi, madame? Dites-moi, est-ce que votre voiture est verrouillée, s'il vous plaît? J'en sais rien, je sais même pas si je suis capable de mettre la clé dans la serrure. Ouais, c'est bon. Ah, t'es peut-être pour ça que votre femme vous inquiète. De toute façon, tout le monde se fout toujours de ta gueule. Ok, je vais vous démonoter et vous allez rentrer dans mon véhicule, ok? Oui. Bien sûr. Ok. Voilà. Dans le véhicule, là. Dans le véhicule, il était là. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Allez, voilà, t'as rentré tout seul. Allez. Allez, là. Non, pas été. Oh. Ne faites vraiment pas tard, ça va finir mal, hein, je vous le préviens. Allez. Vous accrochez bien, là, vous avez retrouvé un tour. Vous avez un petit tac en carton sur le tête droite. J'ai honte. Ah bah t'as pour attaquer une vieille dame qu'à prendre ta quête hein, et perdre ta femme. Et vomir dans le véhicule de fonction de la faire taire dans ton temps. Honte. Non, allez non, on y va doucement là. Oh là là, mais par où commenter avec un individu comme vous, mais quelle catastrophe. C'est ma femme qui m'a fait venir à Los Santos. Moi, j'étais bien où j'étais. J'avais une vie confortable, j'avais plein d'argent, j'avais un bel appartement, une belle voiture. Ma femme qui fait
ma petite Nadia qui me dit, viens, on va à Los Santos, tu vas voir, ça va être la vie de rêve. On pourra avoir des enfants, une maison avec un jardin, des chiens. Moi, j'étais amoureux de Nadia. Que du coup, eh ben j'accepte. Nous voilà à Los Santos. Et trois. Ouais, tard. Vous l'avez découvert, on parlera quand vous serez découvert là. À tout à l'heure là. Néha, bonjour. Tu peux mettre quelqu'un pour tes potes qui te parlent là, s'il vous plaît. J'ai eu une panne d'essence avec ma voiture. Ah. Élève les mains, si jamais. Sauf que. Excusez-moi, t'es une mauvaise de blague là. Ah non. Non, on voulait juste vous poser une question, y'a pas de soucis, on parle plus. Vous êtes tâte. Du coup, vous êtes terminé, t'es vos places. Vous savez, messieurs, c'est quand même pas très rigolo de rire de la police. Hein. Ils font bien leur travail. Je suis quelqu'un de gentil, moi. Ouais. Vous pouvez nous laisser parler maintenant? Bah, oui. Le vieux coup de pression et tout. Mais donc voilà, j'ai laissé ma voiture là-bas avec un peu abîmée et donc sans essence, verrouillée. Ensuite. Il y a monsieur Armando là, il vient de me le rappeler parce que j'avais complètement oublié. En fait, en me dirigeant vers la Brinks là où je travaille, il a dû m'arriver quelque chose et je me suis retrouvée à l'hôpital où j'ai appelé ce monsieur. Ok, en tout cas, t'adores vos lunettes. Donc voilà. Ah, hey. En plus, j'aime beaucoup le jaune. J'espère qu'on pourra se revoir pour que vous voyez ma tenue tous les jours. Parce que là, ma tenue de travail, c'est quand même pas. Vous me faites rigoler, on n'est pas beaucoup de filles direct avec copiner. Vous me faites rire. Pardonnez-moi. Bah, tant faute. Tant qu'à faire, autant quelqu'un qui me fait un compliment sur mes lunettes de qualité. C'est vrai que les vôtres sont très très belles aussi. autant en profiter. Ok, en plus, et t'es des copines, on pourra vous présenter à mes copines. On parle talon aiguille l'autre tour, t'es nickel. Ah. La dame elle nous a Ah bah super demandé. Alors. Pardonne-moi. Alors, il faut qu'on aille voir le mec au bourré en bas de revient. Y'a pas de soucis, bon courage. Ni hao, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous ai appelé parce que j'ai mon véhicule qui est bloqué là. Ok, moi t'es pas des panneaux de moteur. Non, je sais, mais vu qu'en fait il est juste bloqué par une petite crête, je me suis dit que vous pourriez peut-être le pousser ou je sais pas. Oui, t'es potable. C'est bon. Ok, t'es bon. Merci pas beaucoup. Pas de douter, Bah, à la prochaine. ouais, je... Par peu hasard, quelle était votre destinée, Antonio? Du coup, j'étais allé partir chercher des hiéroglyphes. Hiéroglyphes que... Enfin, j'ai pas trouvé celui que je cherchais, mais j'en ai trouvé un autre. Ouais. Du coup, je redescendais dans la vie, Je suis fermier. Et vous êtes fermier, vous faites de l'archéologie? Oui, c'était pour mon plaisir personnel, oui. Si vous voulez, je peux aller vous montrer le... Oui, tout va bien, oui, t'es beau, là, ouais. Le hiéroglyphe. Par contre, c'est tout en haut du mont Chiliad. Attendez, t'as retombé à quoi, t'es beau, là? Un énorme œil avec, on dirait un gratte-ciel un peu en dessous. T'es tellement plute. Un œil dessiné en blanc avec un gratte-ciel. Après, on a trouvé le même motif donc avec le médecin dans la station de téléphérique. Et voilà. Vous avez les timbales sur le Montréal, t'as regardé dedans qui pentent que t'avais en d'ailleurs. Oui, je sais. Il paraîtrait même qu'il y aurait une combinaison beaucoup trop complexe pour un humain avec un cerveau normalement formé, une combinaison qui apparemment ouvrirait, mais ça c'est comment des vous choses qu'on m'a dit avant de venir. Comment t'avez-vous C'est des choses qu'on m'a dit avant de... Vous on m'a dit ça avant de venir en ville. Non, on m'a... Vous faites pas chuter les plus dans... Ah non. Qui vous d'un d'état? On m'a dit ça avant de venir parce qu'avant donc je venais d'Hawaï et j'étais dans un groupe d'archéologie, on allait souvent au cratère Hawaï voir ce qu'on pouvait trouver ou dans les fonds sous-marins. Et du coup on m'a dit si tu vas ici, et on m'a donné quelques endroits à aller visiter. Ok. Et j'essaye quand j'ai un peu de temps libre d'aller en voir quelques-uns.
Ok, prenez mon numéro. Et si jamais vous avez des informations, tous les reptiliens et tous les hiéroglyphes au mode. J'ai le dessin que j'étais venu chercher de base. Est à un endroit où il n'a pas pu être dessiné par un homme. Reptilien. Désolé. C'est quoi vous faites? Désolé. Vous êtes un reptilien. Vous voulez m'attatiner? Non, non, pas du tout, pas du tout. Oui, j'ai. Oh mon dieu, c'est froid. Et c'est dur. Vous teignez route, vous n'êtes pas un reptilien. Faites attention à vos maladrettes. Oui, 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 désolé, oui. Comment vous appelez-vous? Moi c'est Wayne. On me fait tirer de deux. C'était pâté. Je sais pas, il a essayé de vous tirer dessus, je me suis faufilé derrière lui, je lui ai mis un coup derrière la nuque et il est tombé. Ok, nickel. Merci de m'avoir sauvé la vie. Pas de soucis, pas de soucis. Merci à vous d'être venu me sortir de là. Pardonnez-moi. Nous allons étudier la question. On va trouver une autoroute pour les reptiliens. Clic, clic, clic sur le lien dans la description pour participer au giveaway. Sinon, tu seras terminé par moi, fier cybercommando de la confrérie Boons. Clic ou t'es mort. What you do? Ooh.